Bonjour public. Bonjour tout le monde. Alors comment ça va? Très très bien Cédric. Nouvelle recette aujourd'hui? Ouais, nouvelle recette. Ok. On dit pas qu'on s'est pas vu depuis 5-6 mois. Non, voilà. Ok. Mais non, on se voit souvent. Bah oui, bon, on s'est vu il y a pas longtemps. Oui, on s'est vu cet été. Alors aujourd'hui, petite recette, encore une fois pour l'apéro. Ouais, bah oui, parce que forcément les retrouvailles à l'apéro. Les retrouvailles à chaque fois c'est apéro. Donc j'ai dit à Cédric, bon, puisqu'il y a apéro, il y a un petit grignotage. Allez. Donc là on va faire des petits roulés à la viande des grisons. D'accord. T'es pas très d'accord sur le nom, moi j'avais dit de rouler. Alors vas-y. Des cigares. Mais... Si tu prends, alors il faut du pain de mie, okay. Sans croûte ou sinon tu l'écroutes. D'accord. Des petits fromages tostinettes, okay. Que tu affectionnes. J'adore. De la viande des grisons, un petit peu de beurre et un petit peu de rhum pour l'apéro. Ok. Bon, on a déjà commencé la recette. Prends du vin un petit verre. Alors première recette, tu prends une tranche de pain de mie. Un rouleau à pâtisserie. Un rouleau à pâtisserie et tu écrases. Alors attends, je vais te faire un petit peu de place. Ah, c'est cool. Tu écrases ton pain de mie. D'accord. Faut avoir des bras pour faire ça parce que là, okay. Il y a de la résistance dans la tranche de pain de mie. Tu veux que je le fasse? Non, c'est bon. Non. Hop. Ok. Tac. Là, on se retrouve avec une crêpe. Tu poses une tranche de viande des grisons. D'accord. Et tu prends une petite tostinette. Alors pourquoi deux? T'as pris, on a pris. Deux, parce que pour varier les goûts. Il y a du cheddar et puis... Ah, t'en mets pas une au-dessus, une en dessous? Ah non. Non, d'accord, une de chaque. Alors, choisis ce qu'on préfère. Goût exact. Voilà, tac. Tu positionnes ton fromage et tu roules. Délicatement, finement, ton petit cigare. Exactement. Regarde ça, c'est pas beau, ça? Magnifique. Tu poses... Comme ça? Non. Et... Non, quoi? Comme ça, c'est mieux. On va en faire plusieurs. Ouais. Et tu le badigeonnes avec un petit peu de beurre fondu. De beurre fondu. Alors. Voilà. Oui, dis-moi. Non, vas-y. Je te... Ah non, tu voulais dire quelque chose? Non, j'allais dire, on assaisonne pas, c'est pas du beurre salé, c'est... Non, c'est du beurre classique. Non, tu en fais un? Allez, j'en fais un. On va enlever voir si c'est facile à faire ou pas. Ça veut dire quoi que je suis pas capable de le faire? Exactement. Tiens, voilà, ça commence. Ah, moi, je te fais de la place, mais pas toi. Bon, on est pas mal, là, je pense. Pas mal. Allez, je vais le faire avec l'autre fromage que j'ai préparé. Ouais, cheddar, parce qu'en plus, moi, j'aime bien cheddar. C'est vrai? Bon, ben, je les mange, là. Et tu roules comme un cigare. T'as déjà été à Cuba ou pas? Ouais. À la Havane. Ah oui, c'est bon, en plus. Ouais. Bah oui, c'est vrai. Je dis pas que des conneries, quand même. Et ben ouais, bon, je vais faire la suite alors. Allez, hop. Allez, on prépare le reste. Tu poses et tu badigeonnes. Alors attends, oui. Ah, vas-y, dis-moi. Après, une fois que c'est fait, on passe au four. Non, sérieux? Je vais t'aller mettre au micro-ondes. Je m'en fous. Tu passes. Mais on rentrera à l'étape suivante après. Bon, ok, d'accord, allez, c'est parti. Bon, on a fini de préparer notre petit roulé. T'es prêt? C'est compliqué là. Alors, faut préciser combien de temps? On surveille. Alors, vous cherchez sur votre four, il y a la position on surveille. 180 degrés. 180 degrés. La grille pour que ça. Pour que ça dort. Ok, alors je mets sur la position on surveille. Il a roulé celui-là. Ah, zut. Hop là. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour on surveille. Bah, je vous dirai le temps juste après. Vas-y, je surveille. On y va, Cédric? Allez, on y va. 15 minutes. 15 minutes. T'es resté 15 minutes là? Ouais, 15 minutes. Attends, je referme. T'es sûr? Moi je t'ai vu aller à la table pour l'apéro. Alors une fois que t'as resté 15 minutes à surveiller. Et voilà, parfait. C'est pas beau ça? Ça donne faim. T'as vu le fromage? Voilà, oh, fromage qui coule. Top là. Tu veux en goûter un tout de suite? Ouais, tu veux que je mette bouillant, c'est ça? Non, mais on peut le couper. Bon, okay. Allez, par exemple. Oh, quel talent. Regarde ça, fromage y fond et tout, impeccable. Magnifique. Bon, on peut pas le t'as fini de jouer. Allez, c'est bon. Attends, j'en fais un. J'ai pas trouvé au cheddar. Bon, voilà, c'est fait. Bon, et bah écoutez, une petite recette express pour l'apéro. Ça fait toujours plaisir. Voilà, bientôt d'autres recettes. Oui, aussi. Ouais. On va faire encore des trucs aussi faciles, un peu plus compliqués. Il y en faut pour tout le monde. Bon, et bah on vous dit à bientôt pour une prochaine recette. Allez, à bientôt.